Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais d'abord que nous puissions prier avant de pouvoir partager ce petit message de ce soir. Éternel grand et redoutable, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, la source d'eau vive, la pierre angulaire. C'est toi qui es certainement l'espérance de notre vie, l'homme de Galilée. Tu es celui qui est Dieu d'éternité en éternité. Laisse-moi rendre gloire à ton grand nom pour ce temps de ce message. Parce que tu veux parler à ton peuple et édifier ton peuple, le lit de la vallée. Tu as dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Et tu as dit que parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera, il rejettera aussi tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas vivre cette ignorance. Nous voulons découvrir quelque chose de notre Père. Pour qu'au travers de cette parole, tes enfants aussi puissent obtenir la délivrance et quelque chose qui va édifier leur vie pour que le comportement de leur vie change. Merci Jésus de Nazareth pour ce temps favorable. Je voudrais parler pendant cette soirée pour une réalité que nous reconnaissons tous. Même si on n'a pas la profondeur du combat spirituel, de la réalité de la guerre spirituelle, tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire ce passage. Je sais que beaucoup en lisent, mais je veux parler, lire d'abord ce passage-là. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait affronté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle le nourrit un temps de temps, la moitié de temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. Voici la parole de Dieu. Je veux parler pendant cette soirée sur l'élément qu'on parlait de la guerre de l'homme intérieur. Je voudrais notifier que cette guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé sur le trône même de Dieu où l'Éternel avec ses anges habite. Et comme Satan a une spécialité, la politique, il a pu faire pour séduire au moins un tiers d'anges qu'il a entraîné pour pouvoir les emporter à faire la guerre au reste. Parce qu'il a convoité la place de l'Éternel. La place de son créateur. Et voilà maintenant qui n'était pas le plus fort, on l'a précipité sur la terre. Je voudrais notifier d'abord, en premier lieu, que la place que Satan occupait dans le ciel, cette place-là, Dieu n'a pas nommé un autre ange. La place a été octroyée à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est pour cette raison que tu dois comprendre cette rivalité et la colère que le diable en a vis-à-vis de l'homme. Et Dieu a donné la place à l'homme. Et c'est l'homme qui occupe la place auquel Satan était, parce qu'il était un vrai compositeur. On dit Lucifer, celui qui était en train d'agrémenter le trône de Dieu par l'adoration. Et je voudrais notifier ceci. Et quand il a été précipité, Dieu ne l'a pas jeté loin de l'homme, mais il l'a jeté au milieu de l'homme. Et dans ça, que le Seigneur a dit qu'il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et cette colère-là, que je voudrais t'informer, qu'il n'est pas venu combattre la chair de l'homme. Il n'est pas venu combattre et détruire la chair de l'homme. Satan est venu combattre l'homme intérieur. Cet homme intérieur qui est créé à l'image de Dieu et qui doit retourner. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alors, toute la stratégie, il a mis en place une stratégie de détruire l'homme. Mais ce n'est pas l'homme charnel. Pourquoi? Parce que la chair n'est autre que la terre. C'est pourquoi que je viens t'interpeller pendant cette soirée pour que tu comprennes que tu as tout intérêt de pouvoir combattre, de pouvoir prendre soin de l'homme intérieur. Le corps qui est comme enveloppe à qui l'Éternel nous a mis dedans. Et ce corps est appelé terre. Et en peu de temps, même le jour où tu dis au Seigneur, dit que la personne meurt, le jour-là, même ton corps ne te dira pas au revoir. Il ne te dira même pas merci de tous les temps que tu l'as entretenu sur cette terre. Il va partir parce qu'il sait très bien que dans peu de temps, il se transforme en poussière. Mais l'homme intérieur, c'est cet homme-là qui doit retourner vers le Père. Aujourd'hui, le diable sait très bien que son temps est à la fin. Et c'est pourquoi qu'à un moment donné, ça fait mal au cœur de voir que l'homme créé à l'image de Dieu s'intéresse de tout ce qu'il a, tout ce qui est inutile et abandonner ce qui est meilleur. Peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, écoute la parole de Jésus-Christ. Le Seigneur ne viendra pas chercher la terre qui est ton enveloppe. Jésus viendra chercher celui qu'il a créé à sa ressemblance. C'est ton âme, ton esprit qui viendra chercher. Alors, l'objectif est, nous devons nous préparer. Peuple de Dieu, regardez la réalité de ce qui se passe actuellement. Toute la stratégie du diable a été mise en place pour dévier. C'est pour combattre cet homme intérieur de façon que cet homme intérieur n'hérite pas le royaume des cieux.
Alors, il a mis le moteur en place, c'est-à-dire la machine qui est en train de faire un travail de séduction. Et en mettant des pièges, des attrapes nigo pour pouvoir récupérer l'âme, l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur, et puis l'homme intérieur, c'est cet homme-là qui ira avec lui en enfer. Alors, quand tu regardes aujourd'hui, même ceux qui travaillent, ceux qui sont enrôlés dans la sorcellerie, qui sont enrôlés dans la magie, qui sont enrôlés dans toutes les pratiques que nous connaissons, regardez même dans toutes vos réunions mystiques, vos réunions sorcelleriques, on ne vous donne que la chair, on ne vous donne que la terre que vous mangez. Le diable s'en fout de la chair humaine. Il s'en fout de quoi que ce soit. Mais il vous montre que celui qui vous aime en vous donnant la chair humaine, et quand on prépare ça, vous êtes assis sur la longue table pour pouvoir manger ce qui est terre. Je t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle pendant ces soirées. Pour comprendre qu'il y a une réalité, une pensée première que l'homme doit disposer, c'est de chercher à entretenir l'homme intérieur, à prendre ce qui provient du trône de la grâce. Jésus a un système de vie, il a un mode de vie, il a un comportement qu'il a transféré à ce qui lui ressemble. Ce comportement-là, c'est cette vie que nous sommes en train de mener sur cette terre. Quelle est cette vie-là? C'est le comportement d'obéir à la voix du Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu. Et ces attrapes nico, d'un coup, la pensée de la rébellion ne fait que s'accroître. La haine ne fait que s'accroître. L'ingratitude, ce ne fait que s'accroître. Le comportement de non-pardon ne fait que s'accroître. Tout ce qui se passe, ce sont des choses qu'il travaille minutieusement. Il fait comme il érige des forteresses dans nos cœurs, fait semblant que je n'ai rien contre telle personne. Mais en réalité, c'est une forteresse. La haine est là, la rancune est là, le non-pardon est là. Tout ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire l'amour de la chair et non pas l'amour de l'esprit. Peuple de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas sur la chair humaine. L'amour de Dieu est sur celui à qui il a créé à sa ressemblance. Mais le ténèbre sait, Satan connaît très bien. Il sait très bien que celui à qui il a crucifié, bientôt, il va mettre fin à son règne, à son royaume. Et c'est dans cette optique-là qu'il a mis, qu'il a distribué, qu'il a mis tout le regard de l'homme ne plus sur Jésus, mais le regard est déjà centré sur la chair. C'est pour cette raison que le regard de l'homme, c'est sur la terre. Voir comment il peut apparaître, voir comment il peut faire ceci. Même de ceux-là qui sont dans la sorcellerie. La Bible déclare que Dieu avait fait une alliance avec Josué en déclarant ceci. Que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu-là en possession. Et la plus grande partie de ceux qui sont enrôlés dans la sorcellerie ne marchent pas sur le pied, mais ils marchent sur la tête. Et à partir de la tête est connectée en quoi? Connectée à la terre. C'est une manière de dire que tu ne verras pas le royaume des cieux, tu ne monteras pas. Pourquoi? Parce qu'une alliance est faite avec la terre. Au lieu de faire alliance avec Jésus-Christ, mais ta tête marche sur la terre et le pied en l'air. Jésus ne le traite pas avec le pied, Jésus traite avec la tête. C'est parce qu'au niveau de la fontanelle, c'est la partie où le Saint-Esprit fait son entrée, où l'Éternel passe pour entrer dans la vie de l'homme. Alors, toutes les déviations qui sont en train de se faire, c'est sur cette base-là que le regard de l'homme est téléguidé, l'esprit guide qu'ils ont placé sur ta fontanelle ne regarde pas à tout ce qui est de Dieu, mais toutes leurs pensées sont orientées vers la mort. Et tous les regards qui sont sur la terre sont sur regardent sur la mort. C'est pourquoi que je voudrais te dire ceci. Ma soeur, mon frère, le sang des saints est à la porte. Jésus-Christ est à la porte.
Regarde tout ce qui se passe. Aujourd'hui, même si on t'insulte, montre-moi où les injures qu'ils ont lancées contre ta vie sont collées à toi. Les injures ne sont pas collées à toi. Même si tu passes quelque part, on ne te dira pas qu'on t'a insulté. Ce sont les stratégies pour séduire et toucher la partie de ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour réduire au maximum ton alliance et ton intimité avec Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, bannis tout ce qui se passe. Ne tiens pas compte de l'homme. Ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas au comportement de l'homme. Le Seigneur nous a donné sa sémence. Sa sémence, c'est quoi? C'est l'amour. Sa sémence, c'est le pardon. Sa sémence, c'est l'humilité. Sa sémence, c'est la crainte de Dieu. Sa sémence, c'est il ne pense à rien. Ne pense à rien. Jésus revient. Tu peux mille fois entretenir le corps. Le corps ira, il ne te dira jamais merci. Le corps va retourner sur la terre, mais il ne te dira jamais merci. Aujourd'hui, je voudrais te parler que la guerre que le diable nous livre, il ne livre pas la guerre à la chair, mais il livre la guerre à l'âme qui doit être sauvée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les principes de Dieu? Quels sont les rudiments que l'Éternel veut? Mais accroche-nous à la parole et comportons-nous comme le Seigneur veut. Le jugement dernier, il a dit, ce n'est pas moi, le Seigneur Jésus, qui vous jugera. Mais la parole que vous écoutez, qui sera votre juge? Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur, mon frère? Regarde comment les ténèbres est en train d'envahir le monde entier. Regarde comment le comportement de l'homme, la méchanceté ne fait que s'accroître. Ne perds pas la porte du ciel, mais entretiens ton âme, ton être intérieur, de façon que l'Éternel puisse te reconnaître en tant que quelqu'un qui l'aime. Je voudrais te donner même un petit secret. Le petit secret, j'étais préoccupé pour découvrir comment, Seigneur, l'homme peut être enlevé. Alors je me posais la question, quelles sont les conditions, quels sont les critères qui peuvent me permettre à une personne d'être enlevée? J'ai vu, pendant le mensonge, un ami qui a écrit un livre sur l'enlèvement. Moi, j'ai rédigé un livre sur la sorcellerie des enfants. Et cet homme-là m'a présenté son livre. Et je lui ai posé la question, même si j'aurais le temps de parcourir le livre, donne-moi le secret, un seul mot qui peut résumer le livre que tu as rédigé sur l'enlèvement. Il m'a dit, c'est le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est au travers le cœur que tu verras le Seigneur. Et le cœur, c'est là où le diable est en train de chercher à remplir les déceptions de l'autre côté, l'ingratitude, le comportement négatif, tout ce qui est en train de se faire, c'est pour noircir ton cœur. Or que le Seigneur ne va prendre que ce qui lui ressemble. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas chercher le cœur noirci, mais il viendra chercher le cœur d'amour. Alors, c'est au travers le cœur d'amour, parce que lui-même est amour, et comme il est lui-même amour, dans l'heure que la flèche tombera, si ton cœur est rempli d'amour, automatiquement il te sortira, il touchera ton cœur, et puis il te sortira, et c'est là que tu peux être enlevé. Voilà, c'est pourquoi les stratégies sont pleines pour pouvoir détruire la foi de l'homme, détruire le comportement de l'homme, pour que l'homme imite Satan et récupère tout ce qui peut nuire à sa vie. Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Alors à partir de là, au fur et à mesure que tu multiplies toutes ces pensées-là, le cœur est rempli de bagages. Alors, quand tu es chargé, mets dans ton cœur que Christ ne sera pas avec toi. Je voudrais interpeller
Laissons la distraction de ce monde. Laissons tout ce qui se passe dans ce monde. Aucun homme n'a pu aller avec ce qu'il a pu gagner. Tu peux avoir des milliards, mais les milliards ne t'accompagneront pas. On va t'enterrer, mais pas 100 francs dans la tombe. Mais tout ce qui est essentiel, gagne la porte du ciel. Pour gagner la porte du ciel, change l'attitude de ton cœur. Et quand ton cœur est changé, le Saint-Esprit fera un travail. L'amour qui regorgera dans ton cœur, le pardon même de tes propres ennemis, de tous ceux qui te tourmentent, de tous ceux qui te détruisent, dès lors que tu libéreras ton cœur, tu vas dire, il n'y a pas de plus grand cadeau que Dieu peut me donner, c'est le pardon. C'est pour cette raison que Jésus a triomphé à la croix de Calvaire. Voici la première parole, parmi les sept paroles qui étaient prononcées à la croix de Calvaire, il y a une parole qui a frappé, qui était l'introduction à la victoire de Jésus-Christ. Il a dit, Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À partir de là, c'est la chute de Satan. Tu veux faire tomber ton adversaire? Mais pardonne. Tu veux réussir? Entretiens l'homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de l'amour. L'homme intérieur a besoin du pardon. L'homme intérieur n'a pas besoin de ressentiment. L'homme intérieur n'a pas besoin de pensées négatives. L'homme intérieur n'a pas besoin de rancunes, de jugements, de critiques, de murmures. Et tous ces propos ne font autre que noircir ton cœur. Entretiens ton cœur, entretiens l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur, le cœur est nettoyé, le cœur est rempli d'amour, de pardon sincère, la porte du ciel te sera ouverte. Peuple de Dieu, les mamans pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, la convoitise, les choses qui se passent dans ce monde, parce que je vais rouler dans une telle voiture, je vais rouler dans ceci. Tout ça, il n'y a rien qui te fera entrer au ciel. Je vais te dire, travaille pour ton être intérieur. Travaille pour récupérer ce que Christ t'a donné. Travaille parce qu'il a donné ses principes. Si nous sortons des principes du Seigneur, nous n'aurons pas la vie. La parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est comme il a dit, il est dans sa parole. Il ne sortira pas de sa parole. Malgré son amour, malgré tout ce qu'il peut se faire, il ne sortira pas de la ligne de conduite. C'est comme le rail de train. Je voudrais te dire, ce soir, le train peut avoir n'importe quelle puissance. Le moteur peut avoir une force, quoi, de vitesse qu'on peut mettre. Mais si on l'enlève sur le rail, il ne peut pas rouler. Alors si nous sortons de la parole de Dieu, tu ne peux pas rouler. Si tu sors de la parole de Dieu, tu ne verras pas un Shaddai. Jésus-Christ a besoin, il est dans sa parole. Alors nous sortons, mais c'est nous qui retournons. Alors tu retournes, tu rentres sur le rail, la puissance de Dieu te croisera et tu verras le Saint des Saints. Entretient l'homme intérieur. Aujourd'hui, le diable a multiplié les comportements. Il a multiplié des stratégies de découragement. Il a multiplié les stratégies de désolation. Les stratégies d'humiliation. Il a multiplié ceci. Il a multiplié ceci. Je m'en fous de ce que l'homme peut m'insulter. Je m'en fous de ce que l'homme dira de moi. Je m'en fous de ce que l'homme critiquera ma vie. Mais tout ce qui m'importe, est-ce que je suis droit devant celui qui m'a créé. Jésus-Christ est notre papa, le rejeton de David. Il te tend la main. Il ne t'a pas dit de recopier l'homme, il t'a dit de le recopier. Notre modèle n'est pas un homme. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le lion de la tribu de Juda que je te donne pendant cette soirée. Pour que tu comprennes que le monde passera et tout ce qui se passe, passera. Mais tout ce qui est essentiel, c'est que tu t'agrippes sur le bateau de Jésus-Christ en prenant sa nature. Il nous a montré, on l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a caché sur lui. Il n'a dit aucun mot et il a dit « Père, Père, pardonne-les,
car ils ne savaient pas ce qu'ils font. L'homme intérieur se nourrit de ce qui provient du trône de la grâce. C'est Jésus qui est notre nourriture. C'est sa parole qui est notre nourriture. C'est le comportement que Christ nous a donné qui est notre nourriture. Ne mange plus la haine. Ne mange plus la rancune. Ne mange plus des conflits inutiles. Ne mange plus de faire ce que le monde produit. Mais mange ce qui provient du trône. Quand tu manges la nourriture du ciel, tu seras membre du ciel. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Je te dis ce soir, mange ce qui provient du ciel et rejette ce qui est de la terre, parce que la terre périra avec tout ce qui lui renferme. Aujourd'hui, les gens sont dans des pratiques occultisme et ceci, et pour, parce que pour me rouler dans une voiture 4x4 et ceci, il faut porter des vestes et consorts. Les vestes ne vont rien faire dans ta vie. Tout ce qui est essentiel, c'est le cœur en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais te demander pendant cette soirée que tu tiennes, tu mettes ta main dans ton cœur. Je vais prier pour toi. El Shaddai, c'est toi qui es Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour sortir de prison les prisonniers. Tu es venu rendre libres les opprimés. Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai confié le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, pour sa vie de l'homme intérieur. Éternel, c'est toi celle qui provoque en nous le vouloir et le faire. Tout ce que nous avons, ça provient de toi, Emmanuel. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de ma soeur, mon frère, et que le bagage qui concerne dans son cœur soit dégagé. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet homme diabolique qui s'incarne dans le cœur de ma soeur, mon frère, et qui bloque sa nature, la nature de la personne qui doit ressembler à l'Éternel. Je brise le pont de liaison, je renverse son trône et je détruis tout ce qui était déposé dans leur cœur. J'ordonne à cet instant que le sang que Christ a coulé à la croix de Calvaire pénètre le cœur et détruit les semences ténébreuses dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ, je décharge la vie de ma soeur, mon frère. Je décharge ses pensées remplies de rancune. Je décharge sa nature. Je décharge tout ce qui n'est pas à la gloire de Christ. Et je repositionne la vie de Jésus-Christ dans sa vie. Que l'amour comble ton cœur. Que le pardon réel comble ton cœur. Que tes yeux se détournent de ce que le monde pratique. Mais que le regard soit centré sur celui qui est assis à la droite de Papa, Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David. C'est Emmanuel, l'auteur de notre vie, ce El Shaddai, la sainte des jours, le lit de la vallée, le soleil, le vent, la pierre angulaire, celui que nous appelons Adonai, et celui qui est le restaurateur de ton cœur. Que le Saint-Esprit restaure ton cœur, que le Saint-Esprit restaure tes pensées et qui te donne la nature divine afin que tu rejettes ce que le monde t'a communiqué. L'héritage que tu as pris de tes parents doit disparaître. Jésus te communique un héritage meilleur. Et cet héritage-là, c'est son amour. C'est son amour. Voilà pourquoi je veux te combler de paix totale. Je veux te combler pendant cette soirée de l'amour réel. Que le Saint-Esprit s'en charge de transformer tes pensées. Et aujourd'hui, tu ne dormiras pas. Je sais que le Seigneur t'a déjà déchargé et tu recevras une visitation. Le Saint de cette visitera, il restaurera encore ton cœur et ton cœur sera déchargé. C'est à ce moment-là que tu auras la paix réelle. Une paix que le monde ne donne pas, une paix qui provient du trône de la grâce. Jésus-Christ est ton seul soutien. Il a dit qu'il te délaissera point, qu'il ne va jamais t'abandonner. Il te garde dans son carquois. Et tu ne pourras plus tomber. Pendant cette soirée, que ce message, que tu comprennes qu'il y a une guerre. Et cette guerre-là, tant qu'on n'a pas encore quitté ce monde, nous serons toujours dans cette guerre-là.
Les serpents que nous déclarons, ces serpents-là, tout ce qui se passe, on peut voir, hey, je vis mari de nuit, je vis femme de nuit, je vis ça, je vis ça. Le central, c'est le serpent qui est assis dans le sable de la mer. Et c'est le serpent qui est en train de ruiner avec sa ruse pour détruire nos vies. Je voudrais que ton langage change. Que le Saint-Esprit nettoie ta langue afin que tu puisses parler comme Christ parle. Que tu puisses réagir comme Christ réagisse. Que tu puisses pardonner tous ceux qui te font du mal. Donc, tout ce qui est essentiel, que tu retiennes quelque chose pendant cette soirée, au travers de ce message, nous aurons à continuer pour la guerre spirituelle. Mais j'introduis cela pour déclarer que mon seul souci, ma seule préoccupation, c'est d'entretenir l'homme intérieur. C'est de nettoyer l'homme intérieur. C'est donner vie à l'homme intérieur. Jésus-Christ est notre secours. Le Saint-Esprit te aidera et tu pourras obtenir ce que ton cœur désire. Que la paix du Seigneur soit sur la vie de tout et chacun de vous. Que la joie du Seigneur soit sur chacun de vous. Que un chalet puisse nous couvrir de son ombre. Et qu'il nous donne cette capacité de pouvoir accomplir la parole de Dieu et de rejeter la parole du monde. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Samuel. Mais il fallait venir arrêter.